Ça, c'était ce qu'on appelle un faux départ. Ah, j'ai trois coups. Oui, ça va et toi? Ouais, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ouais, bah, ça va bien, c'est une bonne soirée, tout ça. Voilà, du coup, on avait du monde à la maison, donc pas de cul, sauf pour moi. Mais en tout cas, on a bien vu. Bien mangé. Voilà. Bon, bah, c'est cool. T'as du monde hier soir? Alors, on était, ben, y avait Eric, il y avait Doudou 33, Michel, et en fin de QSO, c'est un petit peu parti en vrille. En avant le break avec les bonnes 73. Ouais, 73 Lido, 73 Rémi, 73 à tout le monde, 14 Victor Eco 27, l'opération Eric se salue, ou salut pardon, et salut à tous les OBL. C'est la guerre fort aussi, pas de soucis, hein, voilà, retour à Rémi, 73 Rémi. Ok, les 73 Eric. Bah, tout à l'heure, je redonnerai hein, les news qu'on a donné un petit peu, là, les 2-3 trucs là, qu'on a donné un petit peu hier soir, là, de façon à ce que Ludovic en profite aussi. Mais j'attends qu'il y ait un petit peu plus de monde. Alors, est-ce qu'on a Doudou 33 ce matin avec nous? Apparemment non. Michel, la tour de contrôle, tu es là? Je suis à votre écoute. 73-51 à Boutou, c'est les amitiés. Ok, les 73 retournés. J'oublie pas la station non plus qui s'est signalée tout à l'heure, là, avant le départ du QSO, qu'on fera rentrer là aussitôt après. Les 73, Michel, retour. Apparemment, il y a un QSO en parallèle, hein. Oui, affirmatif. Puis en plus, là, je suis moustaché de mon côté. Je sais d'où, enfin, je devine d'où ça vient, quoi. Voilà, pour me flanquer autant de moustaches comme ça. Hachi, bon, c'est pas grave, je ferai avec. Oui, il y a un QSO parallèle. Déjà, là, moins 5, moins 10, là, par là, j'entendais déjà derrière, c'était très, très QRP. Il y a eu quelques appels aussi assez QRP, là, d'une station. S'il m'entend, ben, en avant la station, si tu es toujours là. Non, je n'entends pas. Ni sur le web SDR, ni au QR1. Retour sur Ludovic. Oui, mais ça semble très bien, Michel. Hein. Voilà, j'espère que ça va. Et puis, bah, moi, j'entends rien du tout. J'ai pas entendu d'autres stations que nous quatre. Oui, c'est ça, on est quatre. Voilà. Je fais le retour à Eric. Vas-y à toi. Ok, merci pour le retour, Ludo. 73 à la tour de contrôle.
sentir bien. Ça va pas trop mal, le soleil rentre par la fenêtre. Je lui ai même ouvert la fenêtre et je lui ai donné la permission de venir me, comment dirais-je, chauffer le dos. Au moins, il y a du soleil, autant en profiter. Mon petit système D pour insonoriser le ventilateur. Je suis trop con. Il est timide, il est que de passage. Alors, à titre indicatif, je vous signale que le WebMDR de Bordeaux a été installé sur un système que Eric connaît, sur le même de Michel de Toulouse. Ce qui fait que ça peut être entendu dans toute la France. Et comme il y a pas mal de monde sur le côté nord-est, le Jean-Jacques de la Moselle et tout ça, tout le monde peut entendre en direct maintenant sans spécialement se mettre sur le WebETR et retransmis par le monde de Michel de Toulouse. Parce qu'on est écouté. D'ailleurs, je vais saluer les gens qui sont à l'écoute là, sur le CFDR. Ouais, ils sont 1351, la 14 BR 860. Ouais, voilà. Wow. On va devenir des stars, Hachi, les stars de la radio. Allez, à toi Rémi. J'ai entendu quelqu'un. Non, c'est le fils Alino. Ok, d'accord. Ah ben s'il veut prendre le micro, il n'y a pas de souci, au contraire. Hein. Là, on va l'initier à la radio, on va lui montrer comment faire, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il serait très content, mais bon, c'est un peu tôt. faut qu'il apprenne quelques petites choses sur la vie extérieure à la maison, avant d'attaquer ce genre de média. Voilà. Donc, de toute façon, ce sera sous contrôle. Et puis voilà, mais c'est un peu tôt pour l'instant. Voilà, mais ouais, il est pas loin là, il est en train de jouer, donc c'est pour ça, vous risquez de l'entendre derrière avec le micro qui ramène tout, Hachi. C'est Michel. Oui, mais le petit, il a vite fait la femme à appuyer sur le bouton, hein. Peut-être pas toujours sur le bord, mais en fait. Moi, je peux te signaler que sur le même de Michel de Toulouse, il y a un petit de 2 ans et demi qui est appuyé sur le bouton et qui nous dit bonjour, hein. Oh, mais là, c'est moustache. Ouais, je suis pas contre le. Ah, c'est clair, hein. Bonjour, il n'y a pas de souci. Voilà, tout le monde sait qu'il n'y a pas que des gens bien. Donc, pour l'instant, je préfère qu'ils s'abstiennent un petit peu, voilà. Prennent pas cette habitude. Mais après, ils aiment bien, des fois, dans la voiture, quand je monte la station mobile, quand on va se balader, tout ça, ça arrive, qu'ils se mettent comme ça sur le siège conducteur, qu'ils attrapent le micro, et puis ils font semblant, ils font semblant de parler dedans, et tout, ils s'éclatent, ils tripotent un peu les boutons, voilà, c'est rigolo. Oui, le Roger Beep. 73, les amis, Flo qui fait un petit tour pour vous saluer. QTH Galgon, salut Rémi, salut Eric, salut la tour de contrôle Michel, je crois qu'il y a Ludo, voilà. Les bons 73 à vous tous, retour Rémi. Les 73, Florent, comment vas-tu? Ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas entendu. Ah, ça va. Ok Ludo, on t'a entendu dans 2 minutes. Parce que je suis en train de faire autre chose à côté. Hein. Tu sais, j'ai toujours ma station dans le garage, hein, ce qui est bien pratique quand je suis à faire des choses et d'autres. Hein. Je suis avec le 909, hein, je ne sais pas ce qu'il donne. Hein.
ça doit marcher logiquement pas trop trop mal avec la modulation aussi, hein. Je suis à 20-30 cm du micro. Voilà Rémi, retour. Ah oui, quand même. Ah bah si, il marche bien. Ah oui, il n'y a pas de problème, ok. Non, non, mais il marche très bien. Hein. Je vais faire un retour sur Ludovic, là, pour que tout le monde puisse t'envoyer les 73. Retour Ludovic. Oui, merci, je retourne. Alors, je crois que c'est Florent Galgon, c'est ça. J'ai eu du mal à sortir, mais j'entendais à peu près. Donc, le 73-51 à toi, et Florent. Voilà. Effectivement, c'est Florent quand t'avais pas entendu, avec grand plaisir de t'entendre. Voilà, on a entendu Doudou aussi qui était derrière. Donc, pareil, 73 à toi, Doudou, on va te retourner le micro. Juste de faire le tour de chacun pour faire le petit coucou. Michel, vas-y, à toi le micro, Michel. Oui, le 73-51, Florent. La radio est impeccable et sur le Nord-Gironde, là, côté Blaye, tu passes super bien une très très jolie radio, très jolie modulation. Allez, retour à toi, Eric. Ok, mais 73 de Florent, j'espère que tout va bien depuis la dernière fois, et puis que, ouais, que tout va bien, voilà, ça vaut les amitiés, 73-51. On va retourner, je crois qu'il y a Doudou 33 qui est avec nous aussi. Allez, Doudou, vas-y, à ton micro. Ok, ben tu verras un petit peu les conditions de mon côté. Alors, attends, je vais essayer de faire un truc. Donc là, j'ai, je suis devant la station, ok. Je suis en même temps avec le casque du WebSDR sur une oreille. Et j'essaie de d'écouter d'un côté, un coup d'écouter de l'autre. C'est pas triste. Chie trois coups. Donc oui, il y a Eric qui a entendu Michel qui a entendu des Pyrénées. Vas-y en avant, fais le rentrer Michel. 73 à tous. Oui, le 64, je pense que c'est l'ami d'Orthès. Retour à vous le micro, l'ami du 64. Peut-être pas, mais lui, vous entend.
Ok, mais non, j'ai pas du tout entendu. Les 2713 51, le département 64, voilà, de la part de Rémi, 14 Delta Romeo 33, Dandy 33, QTH Sainte-Colombe, c'est-à-dire entre Castillon-la-Bataille et Saint-Émilion. T'es toujours là? Bon, apparemment, la propagation est tombée, je l'entends plus pour le moment. Oui, j'entends deux stations se signaler là. Bien avant la station. Oui, en avant les stations là pour le QSO du Sud-Ouest. Bon ben c'est pas grave, c'était peut-être un petit coup de propague hein, qui passait par là. Oui, 14 Romeo Charlie, les 2713-51, vous de la part de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi, QTH entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Alors là, vous avez été deux, vous marchez dessus. Une station là qui arrive à CQRP là, de notre côté, et puis toi, Michel, qui a repris par-dessus. Hachi. Bon, la station là qui avait pris le micro, là qui est 14. Ah, bah, c'est, j'ai oublié. Pouvez-vous revenir s'il vous plaît? Apparemment Michel ne vous a pas entendu et du coup il a repris le micro par-dessus vous. Non, j'entends plus de mon côté. Retour sur Ludovic. J'ai entendu quelque chose, là je m'apprêtais à balancer les news. Et oui, la station que j'ai entendue, la TraQRP, là en avant, avec les bonnes 73-51 du QSO du canal 27, section sud-ouest.
je passe à Eric, c'est un petit moment. Ok, ça marche. Bon, de toute façon, tu étais là pour les news hier soir. Là, je vais les rebalancer pour Eric, là, pour Ludovic, je veux dire, là, maintenant. Alors, Ludovic, la dernière fois, je te l'ai donné une petite bride. Donc, voici l'info complète. Alors, attends que je bascule sur le forum, voilà. Alors, le 14 novembre prochain, voilà, c'est l'anniversaire du forum Blue Forum, Forum Bleu. Et ils fêtent leurs 10 ans d'existence. Alors, un forum qui a 10 ans d'existence, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est, ils sont très très actifs, c'est, ça tourne là-dessus. Hein. Il y a vraiment du monde de connecter. Ça y va, ils sont très très actifs hein, au niveau radio et tout ça. Alors, bon anniversaire à eux, là, pour le 14 novembre. Voilà donc les membres de ce forum nous envoient les bons 73-51 et en particulier Jeune 05. Depuis quelque temps, le QSO du canal 27 existe grâce à ça y est, j'ai oublié quoi. Patrick de la Camargue, voilà, et bon ça s'est répandu un peu partout là sur les départements français. On a la Suisse qui nous suit là, tous les week-ends, les 73-51E. On a la Belgique qui s'est aussi intéressée au QSO du canal 27. Je ne sais pas ce qu'il en est de leur côté, j'ai pas de news. Il y a eu aussi un site internet en Allemagne qui a fait un article sur le QSO là, du canal 27. On a l'Angleterre qui s'intéresse aussi à ce QSO, puisque sur Facebook, ils sont même ouvert un groupe qui s'appelle 27.275 USB UK Channel. Voilà. Et récemment, j'ai reçu un email d'un OM d'Italie qui, eux aussi, voudraient faire partie là, du QSO du canal 27. Alors, je crois qu'il va falloir rebaptiser le QSO national du canal 27 en QSO européen à Chitroico. Retour Ludovic. Là, je t'ai tout donné, là. Ok, bah merci pour les news. En tout cas, bon anniversaire. J'avais presque envie de chanter, là. Bon anniversaire au forum, mais même si c'est dans deux jours, voilà. Bah, c'est cool, effectivement, un forum qui tient depuis longtemps, c'est pas toujours évident. Surtout une dizaine d'années, quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis bah, après, bah, pour l'extension du QSO à d'autres pays, bah, c'est cool que l'initiative intéresse des gens, quoi. Voilà, ça, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Et puis bon, les jours de propagation, on aura peut-être plus de chances d'entendre d'autres OM, d'autres pays et tout. Ça peut être rigolo. Bah, va falloir se mettre à l'anglais, les gars. Hein. Va falloir prendre des cours. Voilà, bon, c'est cool tout ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, si, moi je suis déçu, je pensais que le 14, tu faisais un vigournier ou un truc comme ça. Moi, j'étais resté là-dessus la dernière fois. Hachille, retour. Attends, que le 14, je crois, désolé, j'ai un effet d'écho avec le casque. Des fois, j'ai les neurones qui ont du mal à suivre. Ça fait de l'écho entre elles. Moi, j'en étais resté sur un vigournier. Moi, je pensais que t'allais faire comme ça, un vigournier, tous tes postes et tout ça, Hachille. Non. Par contre, il faudra que je vois, je dois avoir des doublons du côté des petits postes. Le genre que tu mets dans un 4x4 ou un truc comme ça, là, faudra que je vois, quoi. Car garder 2, 3, 4 exemplaires identiques, je vois pas l'intérêt. Un seul sera bon. Mais ça, je verrai ça à l'occasion d'un salon. Pour l'instant, j'en dis pas plus puisque rien n'est fait. Hein. Pas Doudou. Oups, merci Eric. Les 73 de Doudou, en espérant que tu m'entendes de mon côté. Et en ce qui me concerne, j'ai pas mal de QRM ici au QRA, donc là je t'écoute via le SDR. T'es toujours là Doudou? Je sais pas comment on l'a entendu, j'ai un petit peu plus, hein, j'en suis vraiment, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne.
Ok, Doudou, ben moi ça va, je te sors, y a pas de problème, ouais. Non, mais je leur ai dit, n'oubliez pas Doudou, parce que quand ils sont partis à Tchatché, tu sais, c'est comme une épice, hein. Ok, je crois qu'il y a Michel qui est revenu. Vas-y, Michel. Oui, mais Doudou, je l'entends mieux en direct que sur le SDR. Les amitiés, Doudou, et le bonjour du blagué, sous le soleil pour le moment. Pour le moment, j'ai bien dit. Retour à toi, Doudou, si tu m'écoutes. Ok, voyez, tout à l'heure il y a eu des stations qui se sont signalées. S'ils m'entendent en avant des stations, on vous repasse le micro. Oh, j'ai l'impression que ça gratouille un petit peu dans le lointain, mais bon, c'est peut-être pas le même QSO. Hein. Retour Eric. T'es sûr que t'as pas gratouillé tout toi, tout au studio, hein? Je me pose des questions. Allez, retour sur... je sais pas si Florent est toujours là. Florent, t'es toujours là? Ouais, je suis là, hein, je vous écoute. Je bricole à côté, mais je vous écoute. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, Rémi? J'ai vu que... Qu'est-ce que tu as... tu n'as pas un Midland, Rémi, un ou deux ou plusieurs? Attends deux secondes. Ok, il y a un QSO parallèle derrière. J'en ai un. Tu parles de 4001, c'est ça? Ouais, c'est un 120 ou un 40 canaux, le 4001? Alors celui-ci, à l'origine, c'était un 40, modifié 120. Alors, d'après ce que j'ai vu, le RF gain a été changé par un bouton 3 positions. Ah, ok. Moi, je regardais un peu ce que tu avais, hein, ce que tu mets, c'est pas mal. Hein. Tu as comptabilisé un peu ce que tu avais en nombre de TX? Eh bien, va falloir, puisque là, le dernier coup, j'en ai eu 15 là, qui sont rentrés d'un coup. Et ça, c'est grâce à Claudie. Voilà, qui est le Charentais belge, qui est peut-être en écoute derrière, je sais pas. Hein. Bon, apparemment, non. Non, mais ouais, t'as raison. Bah, d'ailleurs, il y a des OM comme Ludovic qui m'ont demandé de faire une vidéo là, de l'ensemble des postes. Alors, ok, à l'occasion, je m'y collerai. J'attraperai là, tous les postes que je poserai au QRA. Oh, ça doit bien, à mon avis, ça doit bien chercher dans les 35, un truc comme ça, je pense. Hein, en comptant les portatifs, les trucs comme ça, enfin tous ces postes. Hein, là, faut que je regarde. Ouais, je pense. Ah, j'entends du monde derrière. J'ai essayé, mais j'ai du mal, j'y arrive pas. Quoi. Non, mais sont partout à la maison, dans les chiottes, dans la salle de bain, partout des postes. Oui, surtout que, je sais pas si tu as vu là quelques photos, il y a quelques temps de ça, j'avais fait un système pour pouvoir accrocher un poste au niveau du couvercle de la boîte à gants. Et en même temps, j'ai fait une photo montrant qu'on pouvait aussi l'accrocher dans la salle de bain, quoi. Ouais, il va mettre un poste amphibie aussi pour l'aquarium. Oui. Mais tu dis qu'il va en mettre un dans les water, mais il est déjà dans les water, ça ne t'entend pas.
la résonance que ça fait dans la cuvette. Il a mis l'écho en plus. Il a pas baissé le couvercle. Ah, c'est donc ça. Enfin, des passionnés comme ça, moi j'en ai rarement vu. Hein. C'est bien, Rémi, c'est bien, c'est bien. Ah, il y en a qui font pas de bruit, qu'on n'entend jamais parler, ou c'est bien plus. Hein. Là, on en a quelques-uns là sur le groupe, là sur Facebook. Voilà, là, c'est par centaines hein, qui, le nombre de postes qu'ils ont chez eux. Hein. Oui, retour Florent. Sur mes deux petites enceintes que j'ai sur mon installation que tu avais vu. Hein. Donc je vous écoute, hein. je viens par intermittence un petit peu moi. Retour Rémi. Attends Florent. Là tu passes très bien là, sur les WebSDR hein, en même temps. Ok, retour sur Michel. Attends, juste une seconde. J'écoute tout le monde en direct, alors la radio est quand même meilleure que la retransmission. Voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose de nouveau. Moi j'en ai quelques-uns, pour ça, mais à peine. Et ma vieille, comment s'appelle la, une grosse qui date de 1970, elle est dans mon grenier là. Elle fonctionnait quand je l'ai arrêté, mais depuis le temps, elle ne doit plus fonctionner. Mais enfin, bon, elle est là, elle ne mange pas d'argent, elle prend de la valeur, elle est comme les vieux. Et malgré que moi, j'en perds de la valeur. Ouais, une petite faute. Ah non, je croyais que quelqu'un avait repris. Non, c'est moi, je m'entendais dans le casque. Et une petite photo de ce poste, ça serait sympa, Michel. Moi, j'ai pas tout ça, là, et vos téléphones portables, vos tablettes et compagnie, c'est pour les jeunes, c'est pas pour les anciens. Restez des blancs. Vas-y, serre ton air rouge. Zut, un blanc. Oui, j'entends du monde derrière de mon côté. Ah, ça doit être un QSO parallèle qui passe par intermittence. Allez, vas-y, les autres, tu fais tomber après. Ouais, mais moi, les postes, j'en ai pas 50. Hein. J'ai quoi là? J'ai Yazoo, j'ai Clinton. Et puis de se dire, bah,
grand chose. Ça a de la valeur entre sinistres, pas entre nous, mais bon voilà. Enfin donc, c'est toujours sympa. Voilà. Mais après ouais, si tu veux faire une vidéo de présentation, Rémi, avec tous les postes, ça pourrait être sympa de les alimenter, de voir un peu les fonctions. Alors après, si t'en as 35, il y en a pour des heures à faire ça. Mais bon voilà. Si tu veux, je peux t'aider. Ça me fera avec plaisir, voilà. Je ramènerai une alimentation pour le plaisir, pour aider. Puis voilà, ça peut être cool de faire fonctionner les vieux postes. D'ailleurs, c'est tout con, mais il y a des postes qui ont une très bonne sonorité avec un très bon haut-parleur interne. Il y a d'autres qui sont un peu moins, ça peut être sympa de se rendre compte de ça au niveau de la partie basse fréquence, hein, parce qu'on parle souvent de la stabilité du poste, de sa puissance d'émission, la puissance s'il est sensible en réception, etc. Savoir s'il est sensible au QRM, tout le travail, s'il a un bon noise blanker. Mais il y a une partie qui est très importante aussi, c'est la partie basse fréquence, hein, avoir un bon haut-parleur dedans qui reproduit bien le spectre audio est quand même très, très intéressant pour faire un bon QSO là. J'ai un exemple juste à côté de moi là, le Yazoo ST891, le haut-parleur interne qui est un haut-parleur sur le dessus là, c'est une merde, c'est une vraie merde. Voilà, il est vraiment dégueulasse, il reproduit absolument pas les graves, même le son, ça fait un son aigu qui sort de là, qui est pas terrible du tout, donc j'apprécie vraiment pas. Et j'ai mis un bon haut-parleur externe, donc là ça va, mais voilà, c'est un poste tout seul, il est pas génial au niveau du haut-parleur. Alors que si je prends un poste qui est beaucoup moins cher, comme mon bon vieux Clinton là, ou même le Alenco, le haut-parleur interne est quand même beaucoup plus large déjà, et puis il y a plus de volume à l'intérieur de la caisse du boîtier du poste, donc ça fait une caisse de résonance qui est un peu plus intéressante, et du coup il y a un son qui est bien 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 meilleur. Voilà, donc ça c'est un aspect intéressant par exemple. Voilà, je dis ça, je dis rien, Rémi, t'en feras ce que tu voudras. Allez, mais je fais tourner sur Doudou. Doudou, j'ai du mal à t'entendre. Je suis désolé, ce matin c'est pas terrible. T'as dû mettre le camion pas au même endroit que d'habitude dans le jardin. Mais bon, j'arrive quand même à te copier et ça m'empêche pas de te retourner le micro. Allez, à toi Doudou. Pas de soucis, merci pour le retour du micro. Mais, mais c'est vrai que c'est pas toujours possible avec un mille-pattes de pouvoir se mettre dans certaines positions pour la réception soit meilleure. Mais bon, on faut faire avec, voilà. Allez, mais écoute, je vais retourner le micro sur Michel. À toi Michel. Ok, alors j'étais en train de t'écouter là Michel. Alors en direct, il y a un petit effet d'écho parce que tu as le WebSDR qui est juste à côté. Je t'écoutais en même temps dans le casque. Alors là, pour le coup, ça me faisait trois fois ta voix. Quoi. Je m'éclate comme un petit fou. Quoi. Ça doit faire un drôle d'effet, mais là j'ai coupé le WebSDR, alors. Oui, non, mais c'est pas un problème. Mais je fais avec, hein, moi, c'est pas moi qui vais t'emmerder avec ça. Hein. Je m'adapte et puis c'est tout. Hein. Mais éventuellement, t'as pas un casque que tu pourrais te mettre sur une oreille, comme je fais, hein, et comme Eric fait aussi. Ah non, j'ai
suis pas aussi bien équipé que vous, moi. Oh, il n'y a pas tout ça. Un casque, bon, mais je tourne le bouton quand je veux écouter sur le WebSDR, et puis là, j'avais oublié de le baisser quand je t'ai parlé. Ah, erreur est humaine. Non, mais c'est pas un problème. Alors, est-ce qu'on a, Saxon ou Xav derrière la porte, je sais pas. Retour sur Ludovic pour voir si des fois tu les aurais pas entendus, ou si eux t'entendraient mieux que moi. J'ai oublié notre ami Fredo aussi. Oui, je disais, j'ai oublié de citer Fredo aussi qui est derrière la porte. Je savais que ça allait me retomber sur la tronche. Hachi. Non, là pour l'instant, je suis un petit peu à court de discussion. Oui, non, mais c'est sûr que là tu parles là, du chat du WebSDR. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que là, on crée une interaction entre le WebSDR et son chat, plus la CBI. Ce qui fait comme ça, les 73-51 sont envoyés sur le chat, comme par exemple, oui, tiens, j'ai un petit peu zappé. Oscar 62, 14 Alfa Romeo 100, 1995, 14 Eco Delta 590, Fredo, bon, les bonnes 73-51 à tous, ainsi qu'à tous les autres là, qui sont derrière. Voilà, et c'est vrai que de temps en temps, il y a des questions posées sur le chat, on leur répond en direct, et c'est vrai que c'est vraiment sympa, quoi. Il y a un petit côté convivial là-dedans, là, qui nous faut poursuivre, qui, il nous faut continuer comme ça, quoi.
Non, mais c'est sûr que là, ton web SDR, eh bien chapeau bas. Hein. C'est vrai que il est. Maintenant qu'il est en place, il ne faut surtout pas le retirer. Quoi. Bah après, c'est marrant parce qu'il faudrait qu'on regarde sur Facebook quand. Quand comment ah merde, j'ai bouffé le nom. Papa le saut de tango, 136, merde. Centre là, quand il fait des. Tony, voilà, j'en trouvais plus. Donc Tony, il faut regarder quand Tony fait les diffusions en direct sur Facebook. C'est intéressant de voir s'il y a des. Je vais pas trop regarder, savoir s'il y a des réactions aussi en direct sur le. Bah, via Facebook, du coup. J'ai pas trop pris le temps de regarder. Ça m'est arrivé de regarder après coup les diffusions qu'il faisait, mais j'ai pas fait trop gaffe aux commentaires. Parce que bon, c'est un peu le même principe, hein, c'est pareil, hein, sauf que. Il y a moins de contrôle sur le récepteur, mais puisque c'est de la vidéo, en tout cas, c'est un peu le même principe. Et voilà, je sais pas s'il a lui aussi, comme ça, un petit côté avec des gens qui réagissent en direct et tout ça. Bon, après, ils ont peut-être pas trop non plus, s'il y a beaucoup de stations, ils ont peut-être pas trop non plus le temps de faire comme ça, entre de faire facilement le lien entre Sylvie et puis un chat. Ou du moins Facebook, c'est peut-être pas facile parce que bon voilà, faut faire causer du monde. S'il y a beaucoup de stations qui attendent tout ça, bon bah c'est peut-être pas le moment de parler de ce qui se passe sur internet en même temps quoi, non. Mais voilà quoi, c'est je regarderai à l'occasion ce truc là. Après t'as peut-être déjà regardé toi Rémi, je sais pas. Bon. Allez, je fais tourner à toi Michel. Oui, bonjour monsieur, Daniel Santa, ça m'est dérangé, allez. Salut Daniel, retour à toi. Ok, il n'a pas entendu. Les 73 Daniel, eh ben dis donc, tu passes bien ce matin. T'as mangé quoi au petit déjeuner? Parce que là, tu m'arrives bien au cuir. Hein. Les 73 Daniel, de retour. 73 Daniel. Connexion sur le web SDR, là, le chat, là, donc je sais pas, parce que j'ai envoyé un petit message à Ludo, là, alors je sais pas s'il est derrière, je sais pas. Voilà, bonjour Eric, tu peux passer bonjour à tout le monde, je sais pas si tout le monde m'entend, 14 l'image, 3 l'île 3, sur ce mélange, le centre en local, 73 à tous. Ah, il a beaucoup de QRM chez lui, donc c'est pas évident. Trois appels en même temps, là. Ouais, il y a Doudou, il y a Rémi, il y a tout le monde. Vas-y, il y a Ludo qui est là. Vas-y, Ludo, reprends. Ok, bonne 13-51. Toi, Daniel, il y a... Voilà, j'ai tardé à reprendre parce qu'il y avait Doudou qui avait pris le micro. Je sais pas si tu l'entends. Hein. Donc, ben voilà, en tout cas, les bonnes amitiés. Il me semble avoir répondu à tous tes mails, voilà, Daniel, donc voilà. Normalement, je dois avoir fait le travail, donc je sais pas. On peut en parler hein, si tu veux, en direct, il n'y a pas de soucis. Voilà. Je te retourne le micro, voir si tu as entendu Doudou aussi. Oui, non, Rémi, je l'ai entendu tout à l'heure sur le web SDR, et quand je voulais me connecter, je lui fais un gros bisou, hein. puis une bonne poignée de main à madame. Voilà, c'est ça, il comprend la côté de l'ironie. Ah, chier. oui, Ludo, effectivement, j'ai bien tout reçu de ta part, mais là, j'essaie de me reconnecter via le chat, enfin, bon, sur le portable, si c'est sur mon téléphone portable. Ça me dit que le code ou le mon indicatif ou mon mot de passe est ironé. Alors, je sais pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, bon, comme j'entends à peu près tout le monde, j'ai déjà laissé un tour à la salle radio pour voir s'ils entendent effectivement. Bon, alors donc, le principal, c'est que tout le monde m'entend de plus ou moins. Attends, parce que j'en plus. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de contrôler la boîte d'accord là, pour le TOS. Là. Ça me donne un peu de TOS, voilà, visibilité, tout ça là, donc voilà. Ok,
écoutez, Ludo, voilà, donc le petit souci, il est là. Hein, donc c'est pour ça que j'arrive devant me connecter là, pour faire l'écoute web SDR. Enfin, me connecter au niveau du chat. Voilà, retour, Ludo. Ah, ok, ça marche, mais c'est 57 ici, la sifflette, hein, pour info. Et tu me dois deux tympans. Parce que je suis au casque là. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, je vais regarder ça, l'histoire de la connexion, je vais voir si j'ai des infos, parce qu'il y a j'ai des traces d'exécution du système de chat, donc je peux voir s'il y a un problème technique dedans ou si c'est toi qui tapes mal pour mot de passe. Voilà, je vais pouvoir te dire ça. Ok, je vais tourner. Si à toi, Eric. Ok, on va lui retourner sur Rémi, et après c'est Michel aussi. Allez, vas-y, Rémi. Ok, alors on a les 7351 de 14 Fox Romeo 138 là sur le chat de Dylan, voilà, sur le chat là, du WebSDR. Daniel, est-ce que tu es sûr d'avoir bien rentré ton indicatif en respectant les majuscules, les minuscules, au niveau du mot de passe, la même chose, parce que je te connais, moi, agis trois coups. Autrement, pour l'YL, elle te retourne les 88, il n'y a pas de problème, et puis poignée de main de ma part. Retour, Daniel. Oui, alors, bonjour. Oui, je sais à quoi tu fais allusion. Oui, parce que j'ai gardé le... Je me suis marqué ça sur un petit bout de papier, donc je suis sûr que je suis bon. Voilà, donc non, c'est, je ne sais pas, ou alors il y a quelque chose qui est décoché, ou que je ne sais pas. Voilà, donc il va falloir que je re-regarde ou que j'étudie ça. Mais oui, ça, si ça se trouve, effectivement, ça vient de moi, hein, mais je ne sais pas. Voilà, alors dis bonjour aussi à Michel, puisque tu as cité Michel, Rémi, je t'entends tout petit. Hein. Voilà, je t'entends tout petit, je ne sais pas si je vais pas mettre le casque aussi, parce que je t'entends tout petit, voilà. Ok, donc non, je tape tout bien, pourtant il me semble bien tout bien tapé là quand je me connecte au WebSDR. Voilà, Rémi, bon mais écoute, c'est pas grave. Voilà, je vais faire un retour sur Michel, voir s'il a pu être celle de ma station. Michel pour 14 Lima Alpha 1003, Daniel Santon sur Semaine Orangeale. Salut Daniel, oh tu m'arrives 57-58, alors il n'y a pas de problème, moi je t'entends bien, je ne sais pas si tu m'entends aussi bien, mais Daniel Santon on entend un peu partout, il n'y a pas de problème, il passe bien. Et Ludo, je voulais te dire pour le chat, la tour de contrôle c'est la chasse au mot grossier, il y en avait un qui s'était trompé l'autre jour, enfin bon, je lui ai signalé, qui recommencera pas parce que les mots grossiers, il peut y avoir des gosses qui regardent le chat, alors quand même je l'ai avisé, je fais des surveillances. Allez, retour à toi Ludo. Ok, merci pour le service d'ordre. Voilà, ouais, c'est vrai que bon, pour l'instant on est quand même pas non plus des centaines, mais bon voilà, au cas où c'est pas plus mal, on va essayer de se tenir, voilà. Et ben merci. Et puis bon après je vais pas censurer plus que ça, donc bon, c'est sûr que c'est à chacun de rester dans, on va dire, dans des niveaux on va dire corrects de langage. Voilà. Mais pour l'instant il n'y a quand même pas trop de soucis à se faire. Hein. J'ai pas relevé de problème, on n'a pas de personne qui vient pour insulter gratuitement les autres. Donc là-dessus, on est quand même bien plus à l'aise que ce qu'on a été il y a quelques années. Hein, voilà. Ça c'est sûr. Mais je retourne sur Rémi, à toi Rémi. Ok, justement, ça tombe bien, parce que sur le chat, on nous pose une question. On nous demande, justement, 14, Romeo Foxtrot Romeo 138, nous demande quelle méthode nous avons là, de ce côté-ci. Alors, pour moi, là, sur mon côté, là, sur Sainte-Colombe, alors j'ai 14 degrés, et c'est un temps variable, très nuageux, avec quelques pluies par moment, quoi. Voilà, Dylan, ce que c'est de mon côté. Retour de micro sur Ludovic, là, pour qu'il te dise un petit peu comment est le temps de ce côté. C'est très gris, on est à
Bordeaux, salut 73 des stations. Là c'est Ludo, Ludovic. Ouais, bah, comment dire, bah, chez moi, il y a le soleil là qui vient de se pointer là, mais bon, un petit soleil, hein. Température extérieure, ouais, ça doit être dans les 14 degrés, 14-15 degrés peut-être. Mais bon, il fait pas froid, hein, ça fait du bien, un petit peu de soleil, un peu de pluie là. Les fleurs sont contentes, le jardin aussi. Donc voilà, bah. Ah, moi j'arrive du 41 à la base, donc où c'est vraiment gris, humide, machin. Écoute, donc les 50%. Ici Ludo, sur fond des Laranjal, le temps est gris.